Salut les amis, petite capsule spéciale pendule aujourd'hui. J'avais envie de changer, donc vous allez pouvoir vous poser une question sur l'aspect relationnel sentimental. Est-ce que cette personne pense à moi, reviendra à moi? Est-ce que j'ai encore des chances avec cette personne? Donc voilà. Donc les réponses possibles, je vais faire trois possibilités, mais bon, on va voir, hein, peut-être que le pendule aura que des oui, aura que des non, je ne sais pas encore, hein, je vais découvrir avec vous. Voilà, je vais vous laisser la possibilité, la mettez sur pause pour vous recentrer, pour voir un petit peu si vous êtes plus attiré par le nombre 1, par le nombre 2 ou par le nombre 3. Et puis après, ben, on va voir un petit peu la réponse à votre question. Sachez aussi que pour les développements sur votre situation personnelle avec un ex, avec une personne de cœur avec qui vous n'avez plus de nouvelles, plus de conversation où il y a une coupure actuellement, sachez que j'ai fait une vidéo spéciale avec développement qui dure environ une demi-heure, si je me rappelle bien, qui est, ma foi, dans l'espace membre. Donc pour cela, vous pouvez vous affilier, mais sachez que vous pouvez aussi vous désactiver, vous désabonner à tout moment si vous voulez, par exemple, juste avoir accès à une vidéo et ne pas être engagé au mois à mois. Pour, après l'espace membre, c'est des vidéos bonus, c'est des lives spéciaux, c'est aussi... Du coup, maintenant, je vais passer aux extensions. Donc, les mensuels vont un petit peu changer. Donc, il y aura toujours une base importante et puis il y aura une extension. Donc, voilà, je vous fais le petit topo. Mais comme ça, si vous voyez une vidéo spéciale sentimentale, sachez que c'est pour les membres. Allez, les amis, on va voir un petit peu. Est-ce que cette personne va revenir vers vous, ou en tout cas, vous avez encore des chances avec la personne à laquelle vous pensez? Donc, pour les personnes qui auront choisi le choix numéro 1. Est-ce que cette personne reviendra vers vous? Est-ce qu'il y a encore des chances? Plutôt, on va dire ça comme ça. Est-ce qu'il y a encore des chances à la personne que vous, avec la personne à qui vous pensez? Eh bien, c'est un grand oui. Cette personne pense encore à vous. Donc, vous avez encore des chances. Tout n'est pas fini, chers amis qui avez choisi le nombre numéro 1. Allez, pendule, dis-nous, pour les personnes qui auront choisi le nombre 2, est-ce qu'il y a encore des chances avec cette personne de cœur? Est-ce qu'il y a des chances avec cette personne de cœur? Eh bien, non, vous l'aurez compris. Donc là, ici, le pendule dit qu'il y a plutôt de grandes, grandes chances que vous deviez passer à autre chose. En tout cas, actuellement, ce n'est pas favorable pour recevoir un retour positif de cette personne, ou en tout cas une réconciliation. Elle est plutôt fermée à toute forme de communication. En tout cas, vous n'êtes pas sur la même longueur d'onde. Pour les personnes qui auraient choisi le nombre 3, y a-t-il des possibilités d'avoir des nouvelles, des réconciliations, de vivre quelque chose? Alors, vous faites partie des personnes où c'est 50-50. Rien n'est encore décidé dans sa tête, rien n'est encore défini. Peut-être qu'il y a même de l'hésitation. Un jour, c'est oui, un jour, il a envie, un jour, c'est non. Donc voilà, bon, on voit ici le pendule qui me dit quand même qu'il a plutôt tendance à aller vers le oui. Donc est-ce que c'est quelque chose de mitigé, favorable plutôt? Donc c'est pas entièrement oui, on voit bien qu'il a d'abord été vers cette notion d'hésitation, mais on voit que ça change quand même, ça penche quand même vers quelque chose d'assez favorable, chers amis. Donc voilà, on voit qu'il travaille un petit peu là, le pendule, vous voyez, il y a beaucoup d'hésitation, hein. Il y a beaucoup d'hésitation. Quand je vous disais un jour c'est oui, un jour c'est non, c'est assez, je pense, confus, mais tout n'est pas perdu pour vous, chers amis. Voilà, merci pendule, merci les amis, j'espère que cette petite capsule pendule vous a plu, je tâcherai d'en faire de temps en temps, et puis ben, pour les développements, voilà, voilà, je vous laisse découvrir si vous souhaitez donc l'accès membre, et donc pour le moment il n'y a qu'une vidéo, parce que évidemment les extensions seront faites courant le mois d'août, pour à partir du mois de septembre, hein, vu que le mois d'août est déjà fait, et c'est pour ça que j'ai déjà fait une petite vidéo d'accueil spéciale sentimentale. Merci de me mettre en commentaire, ben, comment si ça parle à votre situation, parce que évidemment il faut laisser le temps au temps aussi, donc laissez peut-être les semaines ou quelques mois passer à partir du moment, oui j'ai oublié de le dire, cette vidéo est intemporelle, donc à partir du moment où vous consultez cette vidéo, ben, laissez un petit peu évidemment les semaines ou 2-3 mois se passer pour voir comment vous ressentez les énergies
avec cette réponse. Donc ça peut être marrant. Évidemment, prenez toujours un peu de hauteur et de détachement par rapport aux vidéos sur YouTube. Mais voilà, j'espère que ça vous a un petit peu diverti. Prenez soin de vous. Passez une bonne fin de mois de juillet, un bon mois d'août. Ou si vous regardez cette vidéo plus tard, eh ben, un excellent mois que vous êtes en train de passer. Merci aussi aux personnes qui me découvriront, qui me rejoindront sur les autres réseaux, Facebook essentiellement, mais aussi TikTok et Insta que je vais essayer de développer. Plus il y aura de monde, plus je vais essayer évidemment de développer. Et puis voilà. Bisous, prenez soin de vous et à tout bientôt. Ciao, ciao!